Salut à tous, c'est Lego Dragon de BXL. Aujourd'hui, spécial pour reste du 33 et sûrement pour beaucoup d'entre vous. Tuto pour le Curved Walls. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est des pièces 1 by 2, comme ça, et des vitres, comme ça, ou sinon d'autres pièces comme ça. Et donc, la technique, en fait, c'est. En mettant comme ça, il faut que les vitres chevauchent. Cela a un effet comme ça. Et du coup, on peut curve le wall. Du coup, quand vous en avez beaucoup, comme ici, hop, il suffit de pousser un petit peu. Vous avez un curve le wall. Toujours en ayant un escalier, hein. Donc là, un escalier. Après, il vous faut des tiles comme ça avec le stud au milieu. Donc vous les placez en dessous, au même endroit de chaque côté. Vous faites une pression en sorte de sorte. De cette manière que ça fasse un curve, enfin, ça soit courbé. Vous le mettez sur la même ligne. Hop. Et voilà. Vous avez votre curved wall. Donc c'est très simple. Le problème c'est qu'il en faut beaucoup pour que ça donne un effet curved. Et après, ici. C'est difficile pour faire pour faire un mur parce que genre ici c'est un peu en conflit, enfin, vous voyez, genre c'est pas droit, donc c'est un peu difficile de faire un mur. Et donc voilà, pour une baie vitrée c'est pas mal. Je vais essayer de trouver des techniques pour faire des meilleurs murs avec. Mais sinon, voilà, vous avez la technique pour Exit 33. C'était Lego Paracon Trooper BXL. Abonnez-vous, lâchez un like. C'était fait avec. Avec quoi déjà? Oui, avec Capture. YouTube Capture. Enfin, voilà. Ciao, ciao.